Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la deuxième partie des courriers reçus pour mon anniversaire. Donc voilà, j'ai reçu dans un premier temps une magnifique carte d'Aurélie, voilà, qui a fait un petit patchwork de papier. Elle a découpé des petites lamelles de papier et elle est venue les coller en superposition comme ceci, donc il y a dans les tons verts, dans les tons fleuris, j'aime beaucoup. Elle a mis ici un petit papier effet parquet vieilli. Elle a rajouté un petit timbre fleuri. Elle a mis une petite fleur en papier au centre. Et ici le tamponnage joyeux anniversaire. Donc le tout sur une base comme ceci. C'est vraiment une très jolie carte. Ensuite, elle m'a glissé dans son petit envoi des petites scrap bidules. Donc, j'avais des petites flèches comme ça. Carpe diem, happiness, friends, smile, live, love, dream. Donc, ça pour le mix média, ça va être génial. Également, le mot happiness comme ceci. Voilà. Là, il y avait des petites bougies et des petites étoiles. Super. Et ensuite, elle m'a mis tout plein de petits papiers que je vais pouvoir utiliser dans les junk. Donc, tout d'abord, sur Alice au pays des merveilles, vous voyez, il y a des petits timbres comme ceci. Je pourrais faire des petits éphéméras à glisser dans un junk. Donc, on a Alice, le chapelier, voilà, le fameux buffet du non-anniversaire, le chat. De très jolis petits timbres. Ici, ils sont également en un petit peu plus grand. Voilà, c'est vraiment une très très belle découpe comme ça. Et elle m'a également mise en noir et blanc. Voilà. Donc ça, c'est génial. Je pourrais utiliser ça dans un junk. Ensuite, elle m'a également envoyé des papiers sur le thème du dragon. Donc vous voyez, page de livre comme ça, dragon, thème héroïque fantasy un petit peu. Ce sont de très très jolies pages. J'aime beaucoup. Bon, sur du papier assez épais en plus, donc c'est parfait. Voilà. Et ensuite celui-ci, avec une écriture voilà, un petit peu fantastique, elfique. C'est super joli le dragon là. Waouh! Très 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 beau avec l'œil. Voilà. Là, on a une tête de dragon. Là, on a un petit peu des cartes, des tags. Ça va être génial à découper. Là, on peut faire une petite pochette. Donc ça a été imprimé, regardez, là on le voit sur cette page-là, elle a imprimé ceci sur Victoria Designs. Voilà, ce sont des papiers Victoria Designs. Ici encore, on peut faire des petites pochettes également, on a des motifs un peu celtiques. Là, ce sont un peu comme des cartes à jouer, donc ça va être génial, pareil, à découper, à faire des petits éphéméras avec, ça va être très très joli. Là, on a encore un petit cadre. Hop là, il y en a deux petits dragons et là, la maman dragon. Voilà, donc franchement, merci beaucoup Aurélie pour ces petits cadeaux pour mon anniversaire. Ça m'a fait très très plaisir. Voilà. J'ai ensuite reçu, hop là, un courrier de Carole. Donc Carole fait son strap à thème, ou Carole la folle, hein, elle s'appelle aussi Carole la folle, son petit surnom qu'on lui a donné. Et elle m'a envoyé pareil tout plein de choses sur les dragons. Je vous avais dit que j'avais utilisé d'ailleurs pour la carte un petit embellissement, je vais vous montrer tout ça. Mais avant, je voulais vous montrer sa magnifique carte comme ceci. Have a wild birthday. Donc c'est vraiment trop 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 beau. Et là, il y a des écailles comme ceci. C'est une carte sublime, sublime. Donc avec l'œil là comme ceci, on voit vraiment la pupille
Là, les écailles, c'est, on dirait vraiment du métal et c'est impressionnant là. Puis tout ce travail de collage a dû passer du temps à faire cette carte. Et puis en plus sur le thème des dragons, donc c'est franchement magnifique. Voilà, donc elle a mis un petit fond bleu. Je l'avais vu en plus cette carte sur Instagram, mais je n'avais pas fait le rapprochement, je n'avais pas du tout compris qu'elle serait pour moi. Donc du coup, quand je l'ai découverte, ben, ça m'a fait super plaisir. Donc une très très jolie carte de Carole. Et elle m'avait également glissé des petits cadeaux. Donc de chez Sostengren, elle avait trouvé ceci. Oui, donc des petits dragons cracheurs de feu avec des petits yeux amovibles. Et voilà, les petits chevaliers comme ceci. Donc j'en avais utilisé un du coup sur la carte. Voilà. Ensuite, j'ai des petits embellissements en bois. Donc il y a des petits dragons bleus, des petits châteaux, des petits dragons verts, des petits soldats verts. Voilà, puis là, une petite cordelette que je pourrais réutiliser. Et même l'emballage, je pourrais le réutiliser également dans un junk. Donc, merci beaucoup, ma petite Carole. Elle a également dans la même collection trouvé ses petits die-cuts. Donc, vous voyez, des petits dragons, toujours cracheurs de feu, toujours notre petit chevalier. C'est génial. Donc, ça, elle les avait trouvés hein, chez Sostengren. Voilà. Et enfin, elle m'avait glissé des petits stickers comme ceci sur le thème des dragons. Donc ça, je connais parce que Pascal m'en avait envoyé une année. Mais c'est génial parce que les dragons, de toute façon, j'adore ça. Donc je suis trop content. Trop, trop content d'avoir des petites choses sur les dragons. Ouais, il y a le feu là. Le feu, il y a tout plein de dragons différents. Tout rigolo. Voilà. Bah merci encore, Carole, pour ce sublime envoi. J'ai ensuite reçu un courrier de Nicole. Nicole qui m'a fait un joli courrier comme ceci, donc sur une base bleu marine. Elle est venue appliquer un papier embossé où il y a marqué Happy Birthday. Voilà, elle a mis un petit tamponnage. D'un paresseux, elle a fait des petites découpes feuillage. Là, elle a fait pareil une découpe florale avec des petits strass au centre. Elle a mis des petites touches de washi pour appeler l'arbre. Et je pense qu'elle a dû faire ses colorisations au crayon à papier, au crayon de couleur. Vraiment une très très belle carte. Merci Nicole. Et elle m'avait glissé également comme ceci de grands trombones. Voilà, ça je pourrais faire des petits embellissements. Là, j'ai des petits embellissements bateau, gouvernail, flamant rose. Voilà, tout ça en bois, pareil pour le mix média, ça va être génial. Et enfin, il y avait des petites gourmandises, donc des sachets de bonbons et des petits chocolats de Pâques. Voilà, merci, merci. Et enfin, j'ai reçu un très très beau courrier de ma petite Sophie. Hop là. Donc Sophie qui m'a fait cette très très jolie carte. Voilà, vous voyez, avec des bandes de papier pareil, très très fleuries. C'est magnifique. Dans les tons verts, printanier, un magnifique ruban. Ici, nous avons une petite fleur. La découpe, bon anniversaire. Franchement, j'aime beaucoup cette petite carte. Je te remercie pour ton cadeau qui m'a fait extrêmement plaisir. Et Harper te remercie également. Tu comprendras pourquoi. Voilà, bah écoutez, ce sont les petits courriers pour mon anniversaire. Franchement, merci à vous. J'ai passé du coup, grâce à vous, un prolongement d'anniversaire magnifique. Ça me fait énormément plaisir, tous ces petits courriers. Et puis voilà, c'était que du bonheur cette journée. Donc je vous fais de gros gros bisous et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. À bientôt!